librement. And the police were able to apprehend this murderer, this white murderer. Un assassin blanc. Et la police s'est sentie autorisée à l'arrêter sans le brutaliser. So we're faced with this, you know, the legacy of racism and the occurrence of the violence and the lethality of racism in the United States. Donc aux États-Unis, il y a encore le racisme, léthargie d'un côté et violence de l'autre côté. And while we're struggling with that, we have to be honest about the conditions of black people, not only in the United States, but really around the world. That the pandemic has done to our economies has really been to essentially take whatever safety net that we had away from us. Et n'oubliez pas aussi qu'avec cet épisode de la pandémie, il est clair que ça a encore affaibli les quelques maillons forts qu'il y avait et qui nous protégeaient en tant que blacks, et que les effets de la pandémie ont été dévastateurs sur la communauté noire, so there's a type dans le monde entier. So there's a type of violence that is very pervasive beyond what we see show up in the news day to day. We see the violence in the conditions of our lives around the world. Donc, je crois qu'il faut vraiment pouvoir établir l'équilibre de ce qui est en train vraiment de se passer. Et lorsqu'on parle de violence aux États-Unis ou dans le monde, il faut vraiment avoir à l'idée ce qui se passe exactement pour bien comprendre et mesurer les choses. And I think as Rokhaya was sharing early, we must stay vigilant and keep our eyes steadfast on the more substantive issues that are at play in our society. Et je crois que comme Rokhaya le soulignait il y a quelque temps, je crois qu'il faut garder les yeux ouverts et être à savoir argumenter ce qu'on présente sur la situation qu'il y a dans le monde. Tu peux te contenter de lancer des petits mots comme ça. Il faut pouvoir dire et illustrer ton propos. And when we speak about justice and demanding justice for the lives that have been taken from us, we know that it's not just about that, but it's about repairing the damage that has been done to our communities that have left us vulnerable to that type of violence. Et lorsque, par exemple, nous utilisons le terme justice pour la communauté, c'est pas un mot d'ordre de justice comme on peut l'employer sans trop savoir ce qu'on met dedans. C'est vraiment des réparations claires, précises sur des dommages qui ont été causés, bien précis, bien visibles sur la communauté. Yeah. So let me pivot to the next question. I apologize. I went long on that one. Je suis désolée pour la deuxième partie de la question. Je me suis laissée emporter par la première et j'étais concentrée dessus. Okay. So quickly. Or did you say no? Okay. What the brother was talking about is the various changes that have been proposed for the history books in the United States. And okay, ce dont parlait le frère, en fait, à quoi il faisait allusion, c'est les changements qui ont été proposés pour les livres d'histoire aux États-Unis. And honestly, that's been in response to the gains and the strength and the power that we have made as a people and as a movement. Et honnêtement, ça c'est la résultante hein, des combats, des gains, des succès, des victoires et de la puissance qu'on a acquis à se battre et organiser la résistance. They know if we know our history, they know if we're in touch with our culture, with our traditions, that it's part of our power, it's part of our ability to be resilient and to sustain our struggle. Donc, ils savent qu'on connaît notre histoire, notre identité, notre puissance, ce qui s'est passé. Donc, ils savent la résilience dont nous sommes porteurs et la capacité de résistance qu'on a et qu'on est au courant nous-mêmes. So I don't take it lightly that they're attempting to strip the truth of the matter out of our history books and out of the education curriculum of our students in the U.S. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout anodin
que d'entendre que dans les livres, les manuels scolaires d'histoire, ils veulent enlever tout ce qui concerne nos luttes, notre peuple, nos résistances. Ce n'est pas quelque chose d'anodin du tout. It reminds me of the importance and the significance of us being in charge of our own narratives and being willing to share our own stories and document our history for ourselves. Et ça me rappelle en fait cette question si importante que de ce que nous devons écrire nous-mêmes, notre vision, nos projections, notre identité, nos images, notre histoire, et avoir le regard de nous-mêmes sur qui nous sommes. C'est très important. And it's even more important in societies where we're not the majority or we're not the people in true power to have gatherings like this where we take it upon ourselves to share our stories. Et c'est encore plus important lorsque on dit de nous que nous sommes des minorités, mais pour nous de nous rencontrer, d'échanger, de parler et de s'empuissancer ensemble. We have a duty and a responsibility to share amongst ourselves in addition to advocating and fighting to ensure that our textbooks are reflective of the breadth of who we are and are honest about the histories of our nations. Donc c'est extrêmement important pour nous d'être ensemble, de nous rassembler pour discuter des affaires à la Sainte Famille, comme on dit en Guadeloupe, et notre histoire, nos épisodes cruciaux, et de consigner tout cela dans l'histoire, dans nos manuels scolaires. And while the U.S. is often celebrated on the global stage, and it is, of course, a superpower, whatever that means, we know that there are a lot of things that this nation has to be ashamed of. And so they do have a vested interest in erasing it from our textbooks. Et en dépit de tout le discours qu'il y a à encenser les États-Unis, la grandeur, les États-Unis qui seraient une superpuissance, allez savoir ce que ça veut dire, superpuissance. Il est très important pour nous de contrebalancer en montrant vraiment l'état de leurs activités domestiques et internes. But with honesty, you know, with truth-telling, I believe that we can forge a new type of future for ourselves. Et véritablement, pour parler la vérité, pour être honnête, je crois que nous pouvons façonner ensemble, au milieu de nous-mêmes, générer, mettre au monde une véritable notre histoire par son histoire à donner au monde. True healing, true justice. Véritable guérison pour nous tous, véritable justice. Is only possible. Ne peut être possible when we have everybody who is able to share quand chacun peut really partager véritablement ce qui s'est passé. We deserve healthy democracies that work for all of us. Nous méritons des démocraties saines qui fonctionnent pour tout un chacun. So what's in the history books, what's happening and what's ce qui se trouve dans les manuels d'histoire, and what's happening in a contemporary moment, ce qui se passe are just as important to have documented and shared. C'est très important. Et c'est aussi important de consigner les choses de manière écrite et autre pour pouvoir parler et avancer sur les sujets. Thank you for your question. Merci de cette question. Bonjour, Lana Mayout. Je viens avec une question plus par rapport à la réflexion de Rokia concernant le laboratoire qu'on peut avoir ici. Effectivement, les exactions qui sont produites aux États-Unis sont portées au monde entier. Celles qui se passent en France passent malheureusement presque inaperçues au reste du monde. Elles sont étatiques quelque part. Ici, on vit effectivement dans une résilience de chaque jour.
J'aimerais savoir par rapport au fait que vous soyez ici et à ce titre d'une société tout monde, en quoi la Guadeloupe est un laboratoire intéressant dans votre cas, à toutes les deux, et pourquoi finalement vous avez étiqueté notre territoire en tant que laboratoire pour un nouveau tout monde. Merci. Alors, je ne sais pas si laboratoire est le terme le plus adapté parce que ça peut donner l'impression d'un surplomb, mais je pense plutôt que c'est un poste d'observation important, à la fois des logiques de domination coloniale de l'histoire de France. Donc, c'est un territoire qui a connu justement cette question qu'on tient à distance en France, en fait. Quand on se raconte, la France, c'est quand même le seul pays qui soit situé sur 4 continents. C'est le deuxième domaine maritime dans le monde et pourtant c'est pas très grand. Et c'est cette présence maritime est strictement liée à l'héritage colonial et au fait que la France effectivement a des territoires ici dans les Caraïbes, mais aussi dans l'océan Indien, mais aussi en Polynésie. Ce sont des territoires qui questionnent en permanence la centralité du territoire français qui se situe en Europe. Donc en ce sens, c'est un poste d'observation très clair sur ces logiques-là. Et en même temps, le peuplement de la Guadeloupe avec les populations autochtones qui ont été en grande partie éradiquées, les populations qui ont été déportées du continent africain de manière forcée, puis les populations engagées du sous-continent indien, puis les populations qui ont émigré aussi du proche Moyen-Orient, enfin voilà, du Liban, de la Syrie, etc., ça donne aujourd'hui lieu à un territoire qui est multiculturel. Et c'est vrai que quand on voit le déni qu'il y a à dire de la France que c'est un pays multiculturel, il suffit de passer 10 minutes en Guadeloupe pour se rendre compte que c'est impossible en fait de nier ce caractère multiculturel puisqu'il est inhérent à la composition de la France et qu'il est lié effectivement à une histoire violente, mais que c'est là. Et c'est en ça que je trouve que ce territoire-là rappelle en fait la France à son histoire et à sa réalité. Et les formules, les créations culturelles qui sont produites en Guadeloupe, que ce soit les créations musicales, les créations littéraires. On a l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous M. Ernest Pépin, qui m'a raconté tout à l'heure combien son voyage en Afrique l'a habité et a animé son désir d'écrire de la poésie après avoir éprouvé pour la première fois dans sa chair le continent africain qui pourtant coulait dans ses veines. Et bien tout ça, je pense que c'est aussi important, c'est une partie de la culture française qui est fondamentale. Le fait que pendant très très longtemps, le groupe français qui avait les plus grandes salles à l'international, c'était Gassave. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'ignorer en fait à chaque fois en France. On parle des groupes français, mais on ignore les groupes qui ont créé un mouvement musical ici, localement, dans la Caraïbe, mais à partir d'une perspective qui est aussi française. Donc c'est plutôt ça que je voulais dire, dans le sens où ici, c'est vraiment un observatoire intéressant de toutes les choses qu'au niveau national, on essaye de nier ou qu'on essaye de refouler dans le déni. Et je trouve que vraiment, il y a une évidence ici de toutes ces questions. Et évidemment, il y a tous les challenges que ça provoque en termes de discrimination, en termes environnementaux. Donc je sais que la question du chlordécone et de l'empoisonnement des sols et l'empoisonnement des populations, c'est une question qui est récurrente et qui n'obtient pas finalement de réponse judiciaire. La question de l'épandage aérien, la question tellement de questions environnementales ici très importantes. Et la question de la biodiversité, si on regarde les choses aussi d'un point de vue positif, la question des pharmacopées locales qui peuvent aussi être des pistes de soins qu'on n'explore pas forcément au niveau national. Donc en ça, sur un territoire finalement qui n'est pas très grand, il y a énormément de questions que ça pose d'un point de vue national et qu'on essaie toujours de mettre sur le côté. Et je trouve que recentrer notre regard sur la France en choisissant un territoire comme la Guadeloupe, ça aurait pu être un autre territoire évidemment, mais j'ai choisi celui-là parce que c'est celui que je connais et que j'apprécie particulièrement. Ça fait sens. Ça fait sens que la France se regarde depuis la Guadeloupe parce que ça lui permet de se décentrer. Parce que la France, même par rapport à beaucoup de pays européens, et en particulier par rapport à d'autres pays en dehors de l'Europe, je pense en particulier aux États-Unis, c'est un pays extrêmement centralisé. Moi, je suis parisienne, je suis née à Paris, et pendant longtemps, j'ai eu l'impression que la France était Paris. Et c'est vrai que même quand je voyage, j'ai tendance à, quand on me demande d'où je viens de Paris, je dis même pas que je viens de France. Tellement c'est ancré dans ma tête que Paris, c'est la France. Et donc, cette manière dont on ne trouve pas ça en Allemagne, par exemple, on ne retrouve pas ça dans d'autres pays, on ne trouve pas ça en Suisse, on ne trouve pas ça en Belgique. Mais la France est tellement centrée autour de ce jacobinisme parisien que du coup, je pense que ça fait du bien de pouvoir la regarder depuis un autre point de vue. Et en ça, je crois que la Guadeloupe, c'est vraiment un exemple extrêmement riche et enrichissant, et je pense que Ayo va pouvoir vous dire en quoi ça,
ça a pu décentrer parce qu'elle connaît bien Paris, on s'est vu plusieurs fois à Paris, elle a passé un peu de temps là-bas et je trouve que c'est une expérience différente de la France qu'elle vit depuis son arrivée. Voilà. No, not much to say other than that. I think that was perfect, and I know we probably are wrapping up soon, but we can maybe take one or two more questions and oui. Quickly. Bonsoir. Donc Manik Certiteka, éditrice d'audiobook afro-caribéen. Ma question concernera le mouvement Black Lives Matter. Quel mot vous utilisez pour que ce mouvement, aussi populaire qu'il soit, ne soit pas tombé dans une violence extrême? Parce que je pense que tout le monde, par rapport à ce que vous nous avez dit sur ce jeune criblé de balles, tout de suite, ça fait très très mal. Et la première des réponses serait une réponse de violence. Je pense que vous accompagnez ces familles. Quels sont les mots que vous utilisez aujourd'hui pour que ce mouvement ne soit pas tombé dans une violence, dans une action-réaction à la hauteur de ce qui est en train d'arriver à cette jeunesse noire afro-américaine? Thank you for your question. Merci de votre question. Honestly, I don't know where the movement is going to head. Je sais pas. In the face of so much violence, it's very difficult. Parce qu'il y a tellement de violence, c'est très difficile. For folks to remain hopeful. Pour qu'on demeure plein d'espérance. Hein? To remain restrained. Et tenir, faire preuve de maîtrise de soi. But I will say that many of us as social movement leaders have been trained in the non-violent tradition of Gandhi, of Martin Luther King. Many of our mentors and leaders came from that kind of training. De la l'héritage de Gandhi, Martin Luther King, la non-violence. Et donc, on est attaché à pouvoir agir sans pour autant libérer la rage et la colère. And while I don't tend to focus on questions like this, et c'est pas souvent que je me concentre sur ce type de questions. Largely in part because we don't have the numbers, we don't have the power, even if surtout we were to be violent, quote unquote. Les nombres. La violence, même si on est étiqueté, et je cite, comme des violents, we would be squashed like that, right? Il est évident que même si on est hyper nombreux, s'ils voulaient nous écraser, ça serait leur donner une manière de faire de la chair à canon black. So we have to be wise and we have to move differently. Sagesse et mouvement. Because this work is not theoretical. It is based and rooted in reality and in survival. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de faire de la théorie radicaliste. C'est notre quotidien et notre survie et avancer pour perdurer, pour ne pas mourir. And there's a reason that we were nominated for the Nobel Peace Prize. Despite how the media tries to time and time again paint us as violent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a été nominé pour le prix Nobel de la paix, en dépit du fait que les médias essaient de dire cette bande de violents. The truth is, we're the largest human rights movement in history, the largest peace movement in history. La vérité, en fait, est qu'on est le plus vaste mouvement de la paix et des mouvements sociaux dans le monde entier, dans l'histoire entière, du monde entier. Trying to bring peace to our communities that have been violently attacked time and time again. Amener la paix dans notre communauté qui n'a pas arrêté d'être agressé, assailli de violence depuis des siècles. And I'm sure that many of you might have seen the footage coming out
of the protests that we had, where there was tear gassing of protesters, attacks violently by the police on protesters who were going out peacefully, just declaring that our lives matter. Et je suis sûre que vous n'avez pas manqué de voir toutes ces images télé qui vous montrent en fait les agressions violentes de la police, en particulier avec des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui étaient en train de faire des démarches pacifistes, sans violence, sans rien, et ils ont été assaillis, bombardés de gaz lacrymogènes. Yeah, we had an actual violent mob of largely white people who went to the United States Capitol and tried to stage a coup. Par contre, on a eu droit à une masse de gens qui ont agressé le Capitole pour essayer de faire un coup d'État et de la manière la plus violente qui soit. Et c'était une grosse masse blanche de personnes. And they actually killed people. Four people died. Et ils ont tué des gens. Toutes sortes de gens. Ils ont perdu des profits. Four people were killed. Loss was damaged. People were attacked. Elected officials were locked in their offices. Et pourtant, il y a eu 4 morts officiels. Beaucoup de dommages, beaucoup de blessés. Beaucoup d'élus qui ont été complètement enfermés dans leurs bureaux, beaucoup de gens choqués, etc. So the question to me and the conversation around violence and movements really has to be one about our quote-unquote opposition, or those who are in power, or those who are going to the Capitol, those white vigilantes, those supremacists who are trying to attack us and who are trying to destabilize the US democracy. Donc pour moi, si on veut trouver ce qu'est l'image de la violence, c'est vraiment voir cette attaque du Capitole comme un symbole de cette masse de gens qui s'est levée pour forcer les choses et véritablement imposer ce qu'elle voulait sur tout le monde. There's a real threat to US democracy, and it's not black people. It's not the people who've been fighting for our rights and who are trying to make a better world for all of us. Il y a vraiment un gros challenge, une grosse menace à l'heure actuelle pour les États-Unis et le système. Mais ça, ce sont les extrémistes, et ils ne sont pas noirs, qui sont vraiment prêts à ne pas lâcher et qui ne veulent absolument pas que quoi que ce soit change dans ce pays où qu'on partage le pouvoir avec qui que ce soit d'autre qui ne l'a pas encore. Thank you for your question. I think it's important. And merci de votre question. Je crois que c'est très important et je crois qu'on n'en aura plus d'autres. Final question? La dernière. Nous avions une lycéenne, Maëlle. Hi, welcome in our beautiful Highlands. I want to say because you two are really big inspirations for me as a young black woman. And that's why I wanted to ask you both, how did you manage to speak your voice in societies that are so discriminatory towards us, black women? Ah, sorry. Du coup, j'ai demandé comment est-ce qu'ils ont réussi, en tant que femmes noires, à partager leurs idées et à élever leur voix. Merci. Merci beaucoup pour cette question et pour vos mots, c'est un honneur pour moi de savoir que votre génération peut porter ce regard sur nous. Et ce qu'on espère, c'est vraiment que les générations de l'une à l'autre se transmettent cette volonté farouche de lutter en faveur de l'égalité.
Alors c'est une vaste question, mais je crois que, en tout cas, ce qui caractérise mes engagements, c'est vraiment la foi. La foi, mais dans tous les sens du terme, dans la conviction, dans le fait que ce en faveur de quoi j'ai voulu m'engager était juste. La volonté réelle en fait de mettre en application tous les principes qu'on nous apprend, qui sont les principes de la République, qui sont les principes fondateurs des différentes déclarations des droits humains en fait, avec lesquels on est vraiment immergé dans notre scolarité. Je pense que vous en souvenez bien, tout ce qu'on nous apprend sur les différentes égalités, sur ces principes qui ont été édictés et qui sont censés nous gouverner aujourd'hui. Et puis pour terminer, je crois vraiment que on n'arrive jamais à faire les choses seules. C'est vrai que quand une femme noire prend la parole publiquement, elle est certaine d'être exposée à de la violence verbale, à des menaces, du cyberharcèlement, à des tentatives de la minorer, de la déprécier. Donc ça, c'est quelque chose de certain. Mais en réalité, le chemin qui fait que cette personne est arrivée jusqu'au moment où vous la voyez prendre la parole publiquement, c'est un chemin qui est constitué de solidarité. Et d'une certaine manière, si on est là devant vous, c'est parce que d'autres ont été là avant nous et à nos côtés. Et nous, en fait, d'une certaine manière, on a cette possibilité d'être porte-parole. Mais on l'est parce que d'autres sont là derrière nous et sont là avec nous. Et c'est cette, ce regroupement et ces soutiens en fait, qui nous permettent d'être là. Mais c'est que la surface. C'est la surface, et vraiment, je pense qu'il faut vraiment s'inscrire à la fois dans une filiation. Vous pensez, ce que je disais tout à l'heure, aux aînés, aux personnes que l'histoire oublie, que l'histoire efface, pour vraiment s'ancrer dans quelque chose. Et en même temps, se souvenir que on ne parle pas que pour soi. On parle pour d'autres qui n'ont pas la possibilité de parler, que ce sont ces autres personnes qui nous portent et qui nous soutiennent, même de manière invisible. Donc merci beaucoup, et puis j'espère que votre génération sera la prochaine à prendre la parole sur ces mêmes podiums. Merci beaucoup. Je vais couper. On va arrêter ici parce qu'il est un peu tard et qu'on a bien échangé. Si vous avez d'autres questions, on pourra trouver un petit temps. On va un peu résumer. Moi, ce que je retiens, c'est que toutes les deux, vous faites à vos niveaux des actions pour faire connaître notre histoire et faire avancer les choses, amener des questionnements pour nos populations, mais aussi pour le reste des populations. Et pour qu'on avance, il faut que nous, on se connaisse, mais que les autres aussi connaissent notre histoire et les problématiques que nous rencontrons. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui arrivent et qui disent « j'avais pas pris conscience des choses ». Et puis là, vous les amenez sur le devant de la scène, il faut en parler, donc il faut qu'on ait de la voix. Merci pour vos actions, merci pour tout ce que vous faites. Il faut qu'on continue. Et puis j'aime beaucoup ta réflexion, Rokaya. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on retienne. Nous sommes un laboratoire dans notre belle île et il faut que nous, les premiers, nous soyons conscients de ça, que nous sommes dans ce vivre ensemble et qu'on peut être un modèle pour Paris et pour la France décentralisée. Donc voilà, gardons ça comme conclusion. Nous participons aussi au mouvement par qui nous sommes et comment nous vivons ici en Guadeloupe. Merci mesdames.